Alors, tu manges quoi comme petit déj? Pain. Tu veux pas parler? Tu es en tant quelle classe? En petite section. Et le jeu, il joue Lego dès le matin. Tu as mangé quoi comme petit déj? Une galette de riz. Comment tu dis galette de? Ne t'as pas envie? Boum. Hop, un. Deux. Hop. On se met où? Là? On prend les photos dehors, mais. Non, là. Devant la porte? Non, je vais aider. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la rentrée des classes. Je suis en rentrant en petite section. Là il doit un peu au portable pour regarder un peu les dessins animés. J'ai toujours le droit à quelques minutes de dessins animés le matin. Et là la télé hier j'ai débranché des trucs par accident. Donc là on est tous prêts. Je me suis pas maquillée mes boutons parce que bah, de toute façon on va avoir le masque. Donc ça sert à rien de les étouffer hein, sous le masque. Donc je suis prêt. Il a mis ses petites barrettes et tout. Il est tout propre. T'as tes nouvelles chaussures? Bon, il est captivé par son dessin animé là, mais il était cool pour préparer. T'es en train de me filmer? Donc voilà, on est tous prêts, on va pas tarder à y aller. Moi j'ai mangé un petit scrapie, parce que j'ai pas encore mangé, je me suis surtout préparée et c'est parti. Non, il faut faire ça. Plus de photos. Une dernière, hop, c'est fini. Hop, c'est en voiture. Oui, la voiture est en route. Bon, je tiens l'appareil photo parce que je ne conduis pas à la musique. Ouais. Si on passe sur... T'aurais pu mettre sur peu, tu coupes, c'est pas grave. Donc ça y est, Joshua est à l'école, ça s'est bien passé, il est rentré direct, il s'est même pas retourné, c'est la maîtresse qui lui a dit de faire un bisou, tout le monde lui faisait pas de bisou comme d'habitude quoi. C'est... Il a même pas attendu la maîtresse, il passait déjà sur le bras de la maîtresse pour aller derrière elle, pour rentrer dans la classe. Ouais oui, comme c'est la première rentrée en toute petite section, parfait, nickel. Donc c'est cool, il y a des parents qui l'avaient pas reconnu, tellement il a changé, il a grandi, puis il a les cheveux qui ont poussé, donc c'est assez drôle. Donc voilà, ça a l'air de bien commencer. Après on verra, ce midi c'est ma mère qui va le chercher, c'est ma mère qui me prend le midi pour manger parce que bah, avec ses allergies c'est plus simple. J'aimerais bien voir comment ça va se passer et puis voilà. Je stresse un peu de savoir ce qui se passe et tout, toi aussi non? Mais bon, ça va aller. Et là on file faire des trucs de notre côté. Et... C'est-à-dire que je vais pas être rentré pour la, ouais, il est pour la sortie d'école. De pas aller chercher, ouais. Bah c'est pas ça, c'est que du coup je vais pas avoir les infos, quoi. Je vais avoir tout ce qui s'est passé. Je vais savoir tout ce qui s'est passé, mais qu'à la fin de journée, quoi. Mais bon. Mais ouais, j'ai hâte de te voir pour aller chercher pour voir comment ça s'est passé. Mais déjà, j'aurai un compte rendu qui me guide ma mamie, donc ça c'est cool. Mais ouais, c'est chouette. Bon, bah, on vous reprend plus tard. Moi, je vous avais pas repris depuis qu'on est rentré. Moi, j'ai essayé de me poser, de dormir un peu. C'est bah, j'ai dormi qu'une heure l'année dernière, mais j'arrive pas à dormir. Si vous me demandez ce que c'est le bruit, c'est mon radiateur qui fait un bruit absolument. C'est ça qui m'empêche de dormir cette nuit, c'est horrible, je sais pas si vous entendez, mais... J'appelle l'agence immobilière pour qu'ils me fassent quelque chose, parce que si on a encore 2 mois à tenir ici, ça va vite me saouler. Voilà, donc je vois, j'ai essayé de me poser de dormir, mais je sais pas si oui, elle est partie au travail. Donc je pense que là, je vais essayer d'aller faire commencer le montage de mon anniversaire, du vol de mon anniversaire. Surtout que je vous ai pas dit, mais du coup mes parents hier m'ont offert mon cadeau d'anniversaire parce qu'il y avait une promo chez Intermarché pour une chaise de bureau du coup qui était à 24€, donc c'est vraiment pas cher. Par contre on a galéré avec ma mère pour la monter, c'est vraiment de... pas de la bonne qualité, bah c'est du made in China quoi, mais la chaise est hyper confortable et tout, mais elle montait. Alors avec ma mère on monte des meubles Ikea les yeux fermés, on est hyper rapide, mais là on n'a jamais passé autant de temps pour monter un meuble, c'est juste une chaise, mais les trous en fait ils sont pas...
froid quoi. On a galéré, il fallait forcer comme des malades dessus. Puis bah, voilà, moi j'ai pas beaucoup de force donc c'est ma mère qui a forcé, mais voilà, des problèmes de dos donc enfin, ouais, c'était la grosse galère. Mais on a fini par réussir, hein. On est persévérants toutes les deux donc on a fini par réussir. Mais du coup, maintenant j'ai une chaise de bureau donc c'est cool. On en parle de mes cernes, c'est noir, je suis fatiguée mais j'arrive pas du tout à dormir parce que William m'a fait un café ce matin, j'avais pas envie de le jeter donc je l'ai bu. Mais la caféine et moi ça fait un effet. Ça n'aime pas trop bien sur moi la caféine, c'est beau avoir dormi une heure, voilà, le café m'empêche de dormir. Donc je vais faire le montage du vlog et tout, histoire que la caféine s'élimine un peu plus et après avec un peu de chance je vais pouvoir dormir. Si je vous ai pas dit mais il est 13h donc j'ai mis mon réveil à 16h pour me préparer pour aller chercher Joshua à 16h30. Donc j'espère que ça va le faire. Et du coup ce matin oui, on a déposé mes colis Vinted parce que du coup j'ai un compte Vinted, c'est juste Multico. Multico. Voilà, où je vends pas mal de vêtements, d'anciens vêtements de Joshua. Et du coup, bah là, j'ai expédié deux colis ce matin. Et on est allé chercher ma carte d'identité parce que du coup, on était dans la ville où j'avais fait ma carte d'identité. J'ai eu le SMS comme quoi elle était arrivée, donc on est allé la chercher directement. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne chose de fait. Au moins, j'ai ma nouvelle carte. C'est une bonne chose. Bon, allez, je vous laisse là et je vais attaquer mon montage. Je suis cuite. Bon, ça y est, j'ai récupéré le Joshua. Donc là, il est dans sa chambre, il joue Lego. Bah, il est plus exactement en train de remonter les escaliers. Il cherchait une autre galette de riz au chocolat. Apparemment, ça s'est bien passé. Il était tout sourire, il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il avait vu les copains, qu'il avait montré ses chaussures qui font de la lumière. Il avait l'air super content. Donc là, j'ai son cahier, donc j'ai jeté un petit œil. Sur les papiers à lire, apparemment il leur faut une paire de chaussons cette année, donc il va falloir qu'on aille acheter ça. Il faut que je signe tout ça, que je lise tout ça bien en détail. Donc voilà, ça a l'air d'être une rentrée nickel. Hein. Personnellement, avec le Jojo, c'est pas tellement étonnant. Hein. C'est le Jojo, il est très sociable, donc il n'y a pas tellement de problèmes à ce niveau-là. Ce que je suis contente, c'est qu'il est revenu avec le même pantalon, donc ça c'est génial. Comme il y a ces derniers temps, il y a des périodes où ça va très bien au niveau propreté, on va dire. Même si apparemment le mousse est continence de tous les jours. Enfin bref. Voilà, il y a des jours ça va très bien, il y a des jours c'est pas trop ce qui se passe. Donc à l'école maternelle, ils pensent souvent à leur dire proposer d'aller aux toilettes, je pense que du coup bah, ça le fait. Et du coup, bah, même pantalon. Donc je suis contente. Donc voilà, là je vais lire les papiers, je vais me poser un peu. Je sais pas si je vous reprends tout à l'heure, peut-être, je verrai. Donc je vais vous dire tout à l'heure. Je remets mes lunettes parce que chaque fois je les enlève pour vloguer à cause du foutu reflet. Si ça serait désagréable en fait si je faisais tous mes vlogs avec mes lunettes, clairement vous ne verrez pas mes yeux quoi. Bon, oh, il y a encore une mouche dans cette chambre. On a pas trié la tabata mouche là, mais je sais pas comment vous voyez pour attraper les mouches. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, est-ce que je clôture le vlog dans la salle de bain pour avoir une meilleure luminosité? Oui. Mon Joshua a mangé, je l'ai mis au dodo, il est fin prêt au dodo. Papa va passer le voir en rentrant. Je sais pas, faut que je regarde sur le plan où William est rendu. Enfin, franchement, c'est William et Bouton. Je mets comme ça. Enfin, bref, donc voilà, voici c'est fini pour cette journée de rentrée qui s'est ma foi très bien passée. On aurait pas pu rêver mieux, mais comme l'année dernière avec le Joshua, hein, il galère en fond dans la classe et bah, c'était pas vraiment la classe parce que du coup il rentre dans la salle de motricité, mais voilà, il fonce, hein, il était tellement content d'y retourner donc c'est chouette. Voilà, il s'est bien amusé avec ses chaussures à lumière et tout. Enfin, ouais, c'est chouette, c'est une bonne chose. Donc voilà, je suis fière de mon fils et je suis contente. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Du coup, je vais peut-être vous montrer rapidement ces chaussures parce que du coup, je crois que je ne les ai pas montrées en vlog ces chaussures. Du coup, on les a achetées chez District Center. Et elles ressemblent à ça. Bon, il y a un peu de sable dessus. Donc c'est quelque chose que là, il y a. Hop. Et du coup, elles font de la lumière derrière. T'as pas contre le mur. Et franchement, elles sont belles pour des trucs pas trop, parce qu'on les voit du dessus et tout. Il y a juste, vous voyez, des petites languettes comme ça. Mais franchement, je trouve pour des trucs pas trop, elles sont discrètes. Mais pour l'école, c'est ce qu'il faut. C'est parfait. Donc, ma foi, mettre devant la fesse, vous n'allez pas me voir. Et je disais, pour l'école, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Donc, c'est nickel. Ouf, je nettoie mon objectif. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner. Comme je le dis à chaque fois, tant que je n'ai pas mis d'abonnés, je touche 0 centime sur mes vidéos. Donc, ce serait cool à vous de vous abonner, de partager mes vidéos et de vous en parler, d'en parler à vos amis, à votre famille qui pourrait aimer mes vidéos et qui pourrait aimer suivre notre quotidien de maman solo qui n'est plus maman solo, qui a été maman solo pendant 3 ans, de maman malade, maman.
de maman handicapée, de famille qui se découvre et qui commence à vivre ensemble, voilà tout ça. Et il y a plein de beaux projets qui arrivent, on filmera tout ça. Donc voilà, si vous avez des personnes qui vous pensent intéressées par ce genre de contenu, voilà, si ça peut aider du monde, j'en serai ravie. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!